Trop belle, mon amour. Oui. Dis bye bye. Maman, y a... Quoi? Y a... Maman, reste avec Baloulou, ma vie. Beauté, bonne semaine mes chéris d'amour. J'espère que vous allez bien. J'ai laissé Baloulou à son papa. Là, je vais au sport. Aymen, il m'attend motivée. J'ai une migraine, mais c'est pas la migraine trop douloureuse. C'est le début. Du coup, je vais prendre un petit chibu, comme vous m'avez dit. Ça va aller mieux. Ça fait du bien de dormir le matin. Ça fait vraiment du bien. Surtout le lundi matin. Les filles, mes chéris, nuit blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Wallah, les filles, quand je vous ai dit ciao, j'ai posé mon tête. J'étais plus sur mon tête. J'étais éteinte. Et là, je ferme les yeux et j'arrive pas à dormir. J'arrive pas. Je me force, je compte les moutons. Pour de vrai, je compte 1, 2, 3 et tout. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'heure, 3h du matin. Je dis, oh my god. Je me lève dans 4h, c'est la fin. Et je réessaye, et je réessaye. Sommeil, mais faux sommeil. Sommeil hyper léger, genre. Faux sommeil, les filles. Sommeil où tu vois tout, limite, t'as les yeux ouverts, mais tu crois que tu dors, en fait. J'ai vécu ça. Parce que je crois que je me suis réveillée trop tard la veille, dimanche. 9h, ça va quand même. 9h. C'est bon, je viens de finir. Franchement, c'était une séance détente. Ça m'a fait du bien. Enfin, on a travaillé surtout le bas du corps en squat. Donc squat avec la barre. Et hip thrust sans poids. Franchement, ça va. Je connais tous les termes maintenant du spa. 6 gagnantes qui vont gagner 500 euros. Je vous explique. C'est les gagnantes qu'on va prendre sur les 6 derniers mois pour que ce soit équitable. Je vais prendre une cagnotte, une poupette qui s'est inscrite là au mois de novembre. Je vais en prendre une au mois d'octobre. Une au mois de. Septembre. Une au mois d'août. Une au mois de juillet. Et une au mois de juin. Ok, mes chéris? Attendez. Novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin. 6 mois, c'est ça. Comme ça, c'est équitable. Je prends pas celles qui viennent d'arriver 6 gagnantes. Ça se fait pas pour celles qui sont inscrites plus longtemps. Je suis en train de plier tout mon linge, je suis même pas préparée, je suis même pas encore lavée les filles, mais tellement il y en a, je suis obligée. En fait, moi ce que je fais, c'est que je fais toutes mes machines, je veux être à jour, je veux pas avoir de linge sale. Et après, quand il y a du linge propre, à chaque fois je me dis, oh bah je vais le faire demain, je vais plier demain, je vais plier ce soir, le soir je m'endors, demain et après ça s'accumule et ça fait ça. Tant que c'est du propre et que ça sent trop bon, update sur deux choses. La lessive Baccarat, magnifique, ça sent trop trop bon. Par contre, vous savez le spray que j'ai fait détachant là. L'astuce que j'ai vue est très bien. Par contre, là, je suis venue ce matin pour en mettre. J'appuie. Ça sort plus. Je le regarde tout dur à l'intérieur. C'est devenu un savon. En gros, c'est du béton à l'intérieur. Enfin, il n'y a plus d'eau. Ça, il a durci, quoi. Et quand c'est chaud, c'est liquide, mais quand ça durcit. Donc, je pense après, il faut le mettre au micro-ondes ou il faut le mettre au bain-marie ou je sais pas. Mais si on fait ça tout le temps, c'est chiant, quoi. Du coup, voilà. Ou bien, il faut faire en toute petite quantité pour la journée et après, basta. Parce qu'il a durci, là. De voir des chambres vides les filles après pour le placard de mes bébés. Il va falloir que je réorganise un petit tri les filles parce que franchement je range un peu, pas vous dire n'importe comment, mais je suis pas aussi pointilleuse qu'avant sur le rangement. Les donnes ça sert plus à rien qu'elle les garde, les pyjamas, enfin voilà quoi. Bah Loulou, il y a des trucs qui lui vont plus, mon bébé, et voilà, il dort d'ailleurs, donc voilà. Bon, je vais me préparer les filles, je vais aller chercher Sei.
En fait, ça rebug, ça marchait. J'ai cliqué dessus, j'ai été, je vous ai fait le screen, ça rebug. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec mes posts, ce que je fais. Je sais pas pourquoi il y a autant d'investissement, d'implication et tout dedans. C'est incroyable. Vous faites sauter presque tous les sites. Oui, je suis pas épilée, donc je trafique. Donc là, j'ai renvoyé un message pour dire bah ça marche plus. Donc on attend de voir les filles ce qu'ils vont faire. Je suis désolée, mes chéris, franchement. Je m'attendais pas à eBay Club. D'habitude, ils ont un bon serveur. J'ai au moins à chaque fois. À chaque pub, j'ai au moins 10 000 inscriptions. 5 et 10 000. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça peut être là. Bref, on verra. Je vais chercher mon petit bébé Sei. Ensuite, on va aller faire un peu de course parce qu'il y a la cheval juste après. Donc on a une heure pour faire un peu de course et après, je l'emmène à l'équitation. Mon petit amour. Elle va être contente, ma vie. Je vais lui prendre ses vêtements d'équitation. Je sais plus, je lui ai mis quoi ce matin, les filles. Ah ouais, non. Un pantalon, pas du tout pour l'équitation. Et les bottes non plus, surtout pas, même les tuer. Donc ouais, ok. Voilà. Du coup, demain, je devais avoir ma retouche candylips. Mais vu que samedi, j'ai le concert de Dadju et tout, les filles, bah je vais la faire le dimanche. Comme ça, cette semaine, je peux être bien et tout, physiquement. Et déjà, à partir du dimanche, c'est bon. Je pourrais avoir la bouche crispée. La bouche qui cicatrise. Vous savez comment je vois que mes cheveux sont abîmés? C'est quand je vois que mes cheveux sont abîmés. C'est quand je viens pour démêler à l'arrière et que ça bloque. Si ça bloque, alors que j'ai démêlé les deux parties, donc gauche et droite, c'est qu'ils sont abîmés. Je vous jure que c'est vrai. C'est comme ça que j'analyse que mes cheveux sont morts, moi. Quand ils ont du mal à se démêler, mouillés comme ça. C'est là que je me dis, ah, ils ont un petit souci. Pas me maquiller les filles, j'y vais, j'ai pas le temps. Je vous donne le code Elnabil avant pour la Black Friday pour les poupettes. J'espère que le site cette fois-ci, celui-là, vous allez pas le faire sauter parce que j'ai moins 60. Anna, c'était bien la journée? T'as aimé ta journée, mon cœur? On va où, là? Au poney? Les filles, je pensais que j'aurais le temps de faire... Alors, excusez-moi, mon écran, il est sale. Oui, ma vie, je pensais que j'aurais le temps de faire un peu de course, là, entre 17h et 16h et 17h30 pour le poney. Mais du coup, c'est pas possible parce que il est que 30 minutes devant moi. C'est trop risqué. Là, elle est même pas changée. En plus, j'ai ramené ses affaires. On va aller devant le poney. Je vais la changer vite fait et après, elle s'active et après, on rentre. Ouais, oui, mon amour, du coup. La paille, mon amour. Du coup, les filles, on a un peu de temps à tuer avec les enfants. Attendez, je me mets. C'est bon, mamie. On a pris notre petit Starbucks, le petit. Bah, Loulou, il aime trop l'ami des donuts. On a un peu de temps à tuer. Tu veux ta paille? Oui, tu veux ta paille déjà, mon cœur? Tiens. Ça va. T'as faim? Bah, tiens, approche-toi. Après, tu vas aller où, au cheval? Je te change ici. Je néglige plus aucune étape. Je mange les desserts, je mange tout. Je mange les entrées, je mange... Tiens. Chérie d'amour, je mange tout, je mange le goûter, je mange tout. Tiens, ta paille. Toi, c'est moi qui te la mets, tu vas pas réussir. Passe. Passe, mon gars. Du coup, aujourd'hui, t'as pas préparé le sapin à la maman? Non. C'est pas encore? Ils avaient dit lundi. Ma vie, mon amour. Hop. Là, j'ai... On va passer des petits moments avec eux pour de vrai, genre les filles. Aujourd'hui, ça va, j'étais pas trop là, mais bon, ce soir, je vais vous faire une petite recette. Je sais pas encore ce que je vais préparer à manger. Mais je vais vous faire une petite recette, mais en fait. Hein, tranquille. Puis lundi, j'ai pris une petite grasse mat, ça m'a fait du bien. Bah, Loulou est en train de manger son donut, moi aussi. Moi aussi. C'est bon? Je voudrais savoir si c'est Anna. Elle aime sa maman. Hein? Elle aime comment sa maman? Beaucoup. Pourquoi elle aime sa maman, c'est Anna? Beaucoup. Oui, mais pourquoi? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup? Oui. Ça, c'est qui a porté c'est Anna dans le ventre? C'est maman. 9 mois? Oui. C'est qui a mis c'est Anna au monde? C'est maman. C'est moi qui t'ai accouché? Qui t'ai accouché? Oui. Qui t'es mise au monde? Ouais. Tu m'aimes? Ouais. Moi aussi, ma vie. Tu rentres, maman, elle a rangé toute ta chambre, elle t'a fait ton lit.
Tes affaires propres sont pliées dans le placard. Papa, il t'attend à la maison. Oui ? Il a dit ma fille, elle est où ma fille ? Je veux voir ma fille. T'es contente ? J'en veux plus. Déjà ? Déjà. Va faire du gâchis, ma vie. Tu t'es changé, mon cœur ? Elle s'est changée, les filles, elle a mis sa tenue. Aujourd'hui, c'est Macha pour toi, mon cœur. Les filles, j'ai tellement, mais tellement froid. Il n'y en a aucune qui m'a dit de me couvrir, de mettre un collant. Et je suis en train de me mettre. Quoi ? Tu montes quoi ? Oui. Macha pour toi aujourd'hui. Macha. Oui. Moi. Il fait super froid. La poussette dans ça, là, ça va pas être possible du tout. Je vais la tuer. Je vais devoir porter mon baloulou. Pendant 30 minutes, courage, courage, courage. J'ai même pas pris le porte-bébé. Ça, c'est quoi ? Je crois que je l'ai le porte-bébé. Quoi, ma vie ? Ça, ça va me servir, les filles, c'est pour porter Baloulou, c'est Anna. Comme ça, je fais le cheval avec toi. Attends, ma vie, les filles, quelle erreur. Oh, je vais les. Attends, ma vie, les filles, quelle erreur. Oh, je vais les astiquer en rentrant, mais oh là là. Et Anna, ça va ? Oui ? Adore, mon amour. Elle dort, c'est Anna. Elle dort, c'est Anna. Je vous jure, ça fait trop mal au dos. Le porte-bébé, quand même, ça me fait trop mal au dos. En fait, enfin, y a vraiment pas d'alternative. On est condamnés, quoi qu'il. Porte-bébé, ça fait mal au dos. Le porter, ça fait mal au bras. La poussette, on peut pas dans la boue. C'est une cata, c'est une cata, c'est une cata. Je suis assise en plein enclos, comme ça, mon manteau en train de traîner par terre, sur un jeu, là, comme ça. C'est Anna qui remonte avec son poney. Ah, bah, enfin, si elle arrive. Voilà. Tout le monde est prêt ? Mon bébé. Elle donne à manger à son poney. Ça y est, on est reparti le moment où il fait nuit tôt et tout. Bravo, ma vie. Allez, mon amour. Bravo. Allez, mes poupettes, on rentre à la maison. Il fait super, super froid. Je sais pas si vous m'entendez, mais voilà. Alors, je sais pas ce que je vais leur... Je sais que c'est Anna rentrant du poney. Elle a très, très faim. En général, je voulais trop faire un poulet aux olives. Là, je vais aller me prendre un petit poulet. Mais j'ai peur de pas avoir assez de temps devant moi. Le temps de cuisson et tout. Mais ça fait tellement longtemps.